小暮美香のチョコレートタイム。今回のゲストは、今年ルショコラアランディカスマニフェクチュールアパリを立ち上げた、日本でもおなじみのフランス料理の巨匠アランディカスさんです。ルショコラアランディカスマニフェクチュールアパリはショップ内にチョコレート工房を併設していて、パリ市内で唯一カカオ豆からクベルチュール、さらにボンボンショコラまでを一貫して手掛けるユニークなブランドです。 Bonjour Alanどうしてこのようなショコラのブランドを立ち上げようと思ったのですか？Par passion, comme je faisais le chocolat en 1975, quand Michel Chaudel était le chef chocolatier chez Le Nôtre, j'ai imaginé qu'un jour je reviendrais dans le monde du chocolat. Et quand Nicolas, il y a 4 ou 5 ans, il m'a dit j'aimerais faire du chocolat, mais je lui ai dit on va faire d'abord le chocolat et après on va faire les bonbons chocolat. Donc, c'est une histoire qui commence d'aller chercher les machines et d'acquérir l'expertise de la fabrication de la couverture de chocolat avant de faire les bonbons. D'abord, là, c'est toujours la même histoire, c'est le meilleur sourcing de produits. Oui. La bonne cuisson pour que le sucre soit présent le minimum et un peu de sel. Nous, on assaisonne le chocolat. Et à garder toute son originalité. C'est intéressant, un chocolat sans congelage, c'est intéressant. L'idée ici, c'est d'avoir toute la palette des goûts, des chocolats et de leurs origines, qui pour l'instant, on a 13 origines. Et par exemple, j'ai une affection particulière pour Sao Tomé, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vietnam. Et après, j'aime beaucoup les ganaches, bien sûr, mais j'aime beaucoup le palier. Le système de courtier, quand on a fait le test, on va décider si on achète ou pas. On a choisi Philippe maintenant, il est très content parce qu'il nous a beaucoup aidé. Je trouve oui. que Nicolas est allé voir Philippe, il a expliqué tout, voilà, de sa lieu. C'est une histoire qui a commencé maintenant, il y a plusieurs années, le début de la manufacture du chocolat. Et après, il faut faire le tour avec Nicolas. Donc vous êtes dans la première pièce, dans la pièce qui reçoit d'abord les fèves de cacao. On a 13 origines différentes, de 11 pays différents, puisqu'on en a deux. On a deux origines du Pérou et on a deux origines du Venezuela. On a de l'Équateur, de la République dominicaine. Voilà, pour l'instant, ce qu'on a pour le côté Amérique centrale et Amérique du Sud. On a trois origines en Afrique. On a la Côte d'Ivoire, Sao Tomé et puis Madagascar. Et ensuite, on en a trois en Asie qui sont le Vietnam, Java et puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était une ancienne trieuse à dragée. Que j'utilise pour mettre les fèves. Donc je fais passer les fèves sur ce tapis roulant. Donc ça, c'est un ancien torréfacteur à café. Changer les pignons à l'arrière pour que ça tourne moins vite. Parce que le café, ça triple de volume, ça double de volume sur. Ça, c'est non torréfié. Et ça, c'est torréfié. Donc elle est un peu plus ronde, légèrement plus ronde. Elle augmente à peine de volume, mais pas beaucoup. Ça arrondit. Et puis elle prend une couleur. C'est l'étape du concassage, donc oui, ça se fait dans cette machine, un casse-cacao tara. Verser les fèves là-haut, dans la trémie. À ce niveau-là, il y a un rouleau concasseur pour enlever la peau et concasser les fèves. À la fin, je mélange tout. C'est uniquement, on sépare ça au départ, uniquement pour pouvoir avoir un bon réglage de la soufflerie. Voilà, c'est avec ça qu'on va faire la pâte de cacao. Commence à broyer un peu grossièrement, et puis celui-ci, la broyeuse. Voilà, c'est ce qui sort, des petites paillettes. Et donc ça, je vais le remettre dans le pétrin pour repétrir, pour réamalgamer de nouveau tout ça. Je vais rajouter de la pâte de cacao et ainsi je vais augmenter mon pourcentage de cacao dans le chocolat. C'est le pétrin, la pâte de cacao, donc je l'ai mise dans le pétrin, avec le sucre, avec la vanille si je mets de la vanille, avec du sel si je mets du sel, et avec du lait en poudre si je fais un chocolat ouais. Tout ce qui sort en gros de la broyeuse est relativement plat et carré, il faut arrondir les goûts, il faut les affiner, il faut rendre onctueux le chocolat, et ça c'est le travail du malaxeur. On fait des gros blocs, des énormes tablettes de 12-15 kg. Robage noir. Un chocolat pour l'enrobage lait, enfin voilà, toutes ces sortes de chocolats qui sont en plus, dont on ne fait pas de tablettes. C'est l'emballage, donc l'emballage des tablettes. C'est des recettes spécifiques, alors on a des tailles spécifiques, c'est-à-dire que par exemple les pralinés,
on les a fait assez haut, c'est le meilleur pour faire. Les origines, on les a fait plus plat pour avoir le croquant et du fondant. Et puis après, les ganaches gourmandes, les ganaches infusées. On a fait une taille intermédiaire juste entre les deux pour avoir la possibilité de faire deux couches. Paris de とっても unique な試みを始めましたね。オグラミカのチョコレートタイム。今回のゲストは、今年、ル・ショコラ・アランディカス・マニフェクチュール・ア・パリを立ち上げたフランス料理の巨匠、アラン・ディカスさんでした。